Salut, vous êtes là. Salut à toutes, salut à tous. Bah oui, ça y est, hein, caméra pour le coup, pour vous présenter cette vidéo. Tomb Raider 3, ça y est, nous y sommes. Et oui, c'est le jeu que je vous présente aujourd'hui, Tomb Raider 3, avec ce petit facecam, paraît que ça s'appelle comme ça. Bah écoutez, on est très à la mode, on vous le fait. Alors, Tomb Raider 3, pourquoi est-ce que je reviens dessus? Parce qu'ici, je vais jouer sur PlayStation, la PlayStation première du nom, sur laquelle est sorti le jeu. C'est d'ailleurs sur ce support que le jeu rencontrait le plus de succès. Il y avait plus de 65% des ventes qui se faisaient sur ce support à l'époque. On va passer la séquence d'intro, je vous la montrerai la prochaine fois. Tomb Raider 3, voilà le jeu PlayStation. Voilà, j'essaye de ne pas avoir de reflets. Pas facile, j'ai pas l'habitude moi de passer à la télé. Avec des nouveautés, paraît-il. Nombreuses améliorations graphiques incluant lumière colorée, dynamique, eau en mouvement, effet de réflexion, de brouillard, conditions climatiques évoluant en temps réel. Tu parles. En réalité, ça n'évolue pas vraiment en temps réel. Hein, c'est tout simplement qu'il pleut de temps en temps dans le niveau où il doit pleuvoir. Et dans le niveau où il pleut pas, bah il pleut pas. Bon, c'était de la facilité, mais il y avait quand même du mieux, je le reconnais, puisque c'est mon jeu préféré de la gamme des Tomb Raider, ça le reste, malgré tous les défauts qu'on a pu lui trouver. Tiens, la séquence de démonstration qui s'allume, j'ai pas pensé à l'interrompre, c'est pas grave, de toute façon, ça me laisse le temps de vous dire que le jeu est sorti en novembre 1998, juste avant les fêtes de Noël, tiens donc, et qu'il a été l'un des plus vendeurs hein, de la gamme des Tomb Raider, pas étonnant, parce qu'il y avait quand même énormément de choses attrayantes ici, malgré les défauts, je l'ai dit. Alors ce jeu-là garde les principes des deux premiers, à savoir bah, toujours ce menu circulaire qui permet de régler chaque détail, le passeport pour accéder à la partie, et ici la demeure de Lara, qui est à nouveau là, mais bon, qui a été un petit peu améliorée, on va s'en rendre compte tout de suite. On a fait évoluer les choses dans Tomb Raider 3. Lara a dépensé sa fortune. On va voir d'ailleurs qu'elle a sûrement dû en dépenser beaucoup pour refaire certaines parties de son manoir. Déjà, il avait évolué de Tomb Raider 1 à Tomb Raider 2. On avait découvert des pièces. Mais maintenant, non pas qu'on a découvert des pièces, on a rajouté des passages secrets et on a revu la conception de certaines d'entre elles. La chambre, par exemple. La chambre, eh bien, enfin un lit à taille humaine. Hein. Souvenez-vous que le lit de Tomb Raider 2, il était un peu bizarroïde. C'était un lit de géant, j'avais l'impression en tout cas. Bienvenue dans mon humble demeure. Ne te gêne pas, jette un coup d'œil. Là, c'est un vrai lit de princesse. On est d'accord. Lit à baldaquin, drap rose, tout ce dont une jeune fille rêve, évidemment. Le feu est enfin du vrai feu. Enfin, ça y ressemble plus, puisqu'on a utilisé un effet de particules ici. Hein, plutôt sympa. Les boiseries ont été revues pour coller avec l'ambiance manoir britannique. Et ici, le râtelier d'armes. Souvenez-vous, ce râtelier d'armes. Regardez ce que Jean-Yves et Paul en ont fait pendant que Lara était en vadrouille en Chine. Ah bah oui. Ils en ont fait un placard à torches, car on connaît l'utilité d'un placard à torches. Ça permet de ranger les torches. Et quand on sait combien Lara en ramasse, bon là, il n'y en a qu'un paquet pour l'instant, hein. Eh bien, c'est plutôt sympa. Voilà, le paquet de torches en question, le voici. 8 torches au total. Ah oui, pour les allumer, moi j'ai l'habitude d'appuyer sur Start avec cette manette DualShock 3 que j'utilise. Mais là, non, ça ne marche pas. On n'est pas sur PC, on est sur PlayStation. Il faut faire Select et marcher en même temps. C'est beaucoup mieux. Voilà. Les torches, donc, qui s'éteignent plus vite que dans la version PlayStation 2, au passage. La salle de bain a été revue. Oh oui, regardez ça. Le carrelage qui ferait rêver un carreleur portugais, je vous le garantis. Tout a été redécoré ici, et c'est du marbre. Un marbre du plus bel effet qui se trouve sur le sol. Regardez aussi, ah bah là on l'a pas bien vu, je vais essayer de le montrer mieux. L'effet de splash quand Lara plonge. Elle jette ses torches n'importe où, hein. Elle n'a pas peur du désordre, de toute façon il y a Winstone qui est toujours là. Voilà, donc un joli splash. C'est vrai que ces petits effets ben, apportent un plus évidemment. Lorsqu'on joue à Tomb Raider, hein, on a une petite illusion d'être dans la réalité. Quittons la chambre, allons voir ce qui se passe ailleurs. Et écoutez. Vous entendez ? Les pas de Lara changent en fonction de l'endroit où elle marche. C'est beaucoup plus audible ici, hein. Il y a même un écho lorsqu'on est dans un lieu comme celui-ci, un hall, comparé à la chambre où nous étions juste avant.
L'Echo, c'est une petite nouveauté utilisée qui existait sur PlayStation, alors qu'il n'a pas été intégré à la version PC. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, je vous l'ai dit, hein, je tiens le coupable. Si nous, nous avons des choses en moins dans la version PC, et si la version PlayStation possède encore ces affreuses jonctions entre les textures, ces jointures un peu ratées, bah à mon avis, c'est à cause des têtes blondes, les chères têtes blondes. Donc désormais, quand vous en croiserez une chère tête blonde, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, je ne vous fais pas de dessin, c'est leur faute. Il faut à tout prix que le jeu sorte avant Noël. Et donc à chaque fois, bah on va trop vite et on néglige certains points. Allons faire un tour dans le salon de musique. Vous vous souvenez de cette phrase? Oui. Eh bien voilà, le salon de musique avec son piano, mais où est la harpe? Plus de harpe. Je pense que Lara l'a revendu pour s'acheter enfin un téléviseur. Ah, il fallait un peu de modernité dans ce manoir, hein. Ça fait pas de mal, remarquez. Que se passe-t-il ici? C'est la bibliothèque, le lieu où nous avons démarré le tout premier Tomb Raider, souvenez-vous, et qui nous permettait de nous entraîner, là aussi. On démarrait ici, on découvrait une bibliothèque avec un décor plutôt moyen. Je crois que le niveau a été fait en une semaine dans le premier Tomb Raider. Ici, on sent qu'il a été un peu plus fignolé, avec ses boiseries britanniques toujours, ce feu de cheminée, et une cheminée où on remarque cette sorte de paroi escaladable. Alors si on fouille un peu la bibliothèque, et je vous avoue, c'est la première chose que j'ai découverte en visitant Tomb Raider, on remarque ce livre. Ce livre qui éteint le feu. C'est curieux, on peut même marcher dans les braises sans se brûler. Je vais éclairer un peu. Ah, j'ai pensé à appuyer sur Select et marcher pour une fois. Et je grimpe, donc vous le voyez, il ne faut pas attendre trop longtemps en bas parce que la flamme se rallume très vite. Hein. Ne prenons pas de risques. Donc un passage secret qui a été intégré à cette nouvelle version de Tomb Raider. Voilà, on découvre les combles. On va tirer cette caisse. La flamme, la torche s'éteint déjà. Vous voyez, ça ne dure pas longtemps, je vous l'avais dit. Il faudrait que je mesure la durée d'une torche. D'ailleurs, je ne la connais pas. On en rallume une parce qu'ici, il fait vraiment très sombre. Le jeu est beaucoup plus sombre sur la PlayStation. Hein. C'est sans doute dû au choix de la résolution. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. Car il faut savoir que sur PS, le jeu tourne dans une résolution supérieure aux deux premiers opus, ce qui apporte quand même des possibilités d'effets supplémentaires au niveau de la finesse. On a pu voir l'effet de particules pour les flammes. On verra aussi que certains décors sont beaucoup moins pixelisés. Non, on va pas tout de suite aller abaisser le levier, il faut encore pousser la caisse qui est ici, voilà. Ah, je suis pressé, toujours pressé. Allez, demi-tour, et on va tenter de rejoindre la cave. Car pour aller dans la cave qui s'ouvre en ce moment, eh bien il faut passer par le grenier. C'est comme ça chez Lara, c'est comme ça dans Tomb Raider en général, hein. Vous le savez, vous en avez l'habitude. On descend ces marches, alors la touche sprintée, donc nouveauté ici. Oh, Winstone, alors là, oui, voilà pourquoi on maudit Winstone. Il n'a rien à faire là. J'aurais dû déjà l'enfermer, vous le savez, dans la chambre froide. Et j'ai quand même réussi, bah heureusement, hein, parce qu'alors là, je lui en aurais voulu éternellement. J'appuie deux fois, non une fois, mais pourquoi deux? C'est pas là qu'il faut appuyer deux fois. Et je descends. Que se passe-t-il là en bas? Regardez. La cave a été totalement transformée, on va le découvrir. Où est le trésor de Lara? C'est pas moi, hein. Je vous jure. J'ai beau être passionné par Tomb Raider, je n'ai pas été chez Lara lui voler ses différents trésors, mais il ne reste rien du trésor ici. Hein. Alors, est-ce qu'elle a vendu tout l'or qu'elle avait récolté pour se procurer un aquarium géant et des poissons exotiques d'une rareté extrême? Je ne sais pas. En tout cas, il ne reste pas grand-chose du trésor. Bon. Le bel aquarium que voilà, eh bien on peut le visiter, vous le savez aussi. On va refaire ce petit tour. Alors je ne vais pas essayer de vous faire la même visite exactement, hein, que la version PC quand même, ce serait dommage. Hein. Voilà pourquoi on regarde toutes ces transformations déjà pour commencer.
Mais ce que je tiens à faire, c'est vous montrer aussi les évolutions techniques que j'avais moins abordées à l'époque. Ici, par exemple, ce joli effet de transparence hein, pour les vitres. Et là, cette clé. Alors, chez Lara, hein, les clés sont toujours d'une taille extrêmement surprenante. Et défaut, encore un défaut, mais là, qui est visible à la fois sur PC et PlayStation, c'est qu'on ne voit pas les objets s'afficher. Pour les trouver, il faut aller dans l'inventaire. Alors là, on voit les torches. Et là-haut, on voit la clé qu'on vient de ramasser, la clé de la piste de course. Il ne s'affiche plus au coin de l'écran en bas à droite. Curieusement, pourquoi, je ne sais pas, sans doute ont-ils eu un problème technique, parce qu'à un moment, ça figurait hein, dans la démonstration PlayStation et dans la démo PC aussi, je vous montrerai ça, tiens, la prochaine fois, la démo PC, je ne l'ai jamais montré, on avait la possibilité de voir les objets s'afficher en 3D et tourner sur eux-mêmes, comme sur la version de Tomb Raider 4. Et là, curieusement, bah, ils ont enlevé cette petite implémentation hein, au dernier moment. Moi je le dis encore une fois, c'est la faute des têtes blondes. Les chères têtes blondes. Oh là là. Je l'ai maudit. Où es-tu petit? On va se débarrasser de toi la prochaine fois. Oui, il faut parler devant le micro au fait. Hein. Alors, découvrons quand même le parcours d'entraînement, puisque la salle de bal est redevenue un parcours d'entraînement. Alors allons faire un tour dans la salle de bal. Allons faire un tour dans la salle de gym. Si tu es venu ici dans mes premières aventures, tu remarqueras sans doute que j'ai changé la décoration des lieux. Il vaut mieux faire le parcours dans l'ordre. Le tout illustré toujours par les flatulences de Winstone. Toujours. En cas de danger, mieux vaut avancer en marchant. Fais un essai en maintenant la touche marche enfoncée jusqu'à ce que j'atteigne la ligne blanche. Tant que la touche marche est enfoncée, je ne peux pas tomber. Essaie de me pousser pour voir. Elle est bien qu'on la pousse. Allez. Si un espace est trop grand, je tente de me raccrocher au bord pour éviter la chute. En marchant, approche de la ligne blanche jusqu'à ce que je ne puisse plus avancer. Appuie alors sur saut, puis très vite sur la touche avancer. Ensuite, lorsque je suis... Appuie sur avancer pour me faire grimper. Oui, bon, j'ai coupé la phrase, excusez-moi. Pas réfléchi. Si je prends mon élan, ce type de saut ne pose aucun problème. Fais-moi avancer vers la ligne blanche jusqu'à ce que je m'arrête. J'y suis. Relâche la touche marcher et appuie brièvement sur reculer pour me donner de l'élan. Appuie sur avancer et immédiatement après, appuie et maintiens enfoncé la touche saut. Parfait. La quatrième étape. Ça, c'est un sacré bond. Tu vas devoir sauter comme tout à l'heure. Mais lorsque je serai dans les airs, maintiens enfoncé la touche action pour que je puisse m'accrocher au bord. Voilà. Génial. Cinquième étape. Essayons de grimper là-haut. Appuie sur avancer et maintiens enfoncé la touche action. Je ne peux pas grimper, l'ouverture est trop petite. Appuie sur la touche droite et j'avancerai de côté. Appuie ensuite sur avancer pour que je monte. Bien joué. Si le saut est trop dangereux, je me laisse descendre tranquillement le long de la paroi. Appuie sur reculer pour que je saute en arrière. Immédiatement après, maintiens enfoncé la touche action pour que je m'accroche au rebord en descendant. Relâche ensuite la touche. Je tiens sa vie entre mes mains. Je tiens sa vie entre mes mains. Bon, c'est pas très haut. Hein. Beaucoup de mes amis n'attendaient pas qu'elle leur dise d'appuyer sur action. C'est vrai qu'elle le dit au dernier moment. Et donc il tombait, mais bon là on ne perd pas la vie, c'est déjà ça. Le sixième exercice m'a toujours paru mal expliqué, et fut surtout trop rapidement expliqué, mais bon écoutez. Je vais te montrer comment ramper. D'abord, place-toi sur ce bloc. Maintiens enfoncé la touche ramper pour que je m'accroupisse, puis serre-toi des touches directionnelles. À la fin du passage, fais demi-tour et laisse-moi au bord. Si tu relâches la touche action, je vais tomber. C'est bon, lâche maintenant. Appuie sur avancer et maintiens la touche rampée enfoncée pour que je passe dans l'ouverture. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut appuyer sur avancer et action. C'est sur PlayStation, sur Tomb Raider 4 que ça fonctionne cette affaire, voilà. Ça n'est pas encore valable sur la PlayStation, sur la version de Tomb Raider 3, pardon. Pour atteindre les zones supérieures, je dois parfois faire de l'escalade. Avance et appuie sur la touche action pour me faire grimper. En maintenant cette touche enfoncée, appuie sur la touche avancée pour que je continue à monter. Maintenant, regarde là-haut. Tu vois ces barres métalliques?
Appuie sur la touche saut, puis immédiatement après, maintiens enfoncée la touche action pour que je m'accroche à cette structure. Utilise ensuite les touches directionnelles pour me faire avancer. Attention, si tu relâches la touche action, je lâcherai prise. Là, je sais que je peux lui faire mal si je veux. Si je lâche maintenant, je lui fais mal. Parfait. Mais bon, je sais que je serai poursuivi par une cohorte. Faisons un petit sprint. Oui. Appuie sur avancer et maintiens enfoncé la touche courir. Quand j'atteins la ligne blanche, appuie sur sauter pour me faire plonger. Oh. Et si on nageait un peu ? Elle a de la suite dans les idées, hein. Sprinter, nager. J'étais en train de dire, Lara, que si je commence à dire du mal de toi, il va y avoir une cohorte de fans qui vont s'en prendre à moi, donc. Reste tranquille. Sous l'eau, utilise la touche sauter et les touches directionnelles pour me faire avancer. Comment plonger de cette manière ? Je vous le rappelle, il faut appuyer sur sauter tout en appuyant sur la touche marcher et avancer. Voilà. Pour nager à la surface, utilise les touches avancer, droite ou gauche. Appuie sur sauter pour replonger ou appuie sur action pour sortir de l'eau lorsque tu es proche du bord. Et tu peux aussi, ma chère Lara, faire ça. En appuyant sur marcher, en allant vers la droite ou vers la gauche. Ça permet de repositionner le personnage. Bon, on sort ? Ben, je suis déjà sorti. Et regardez, elle a récupéré quand même deux statues de Bastet, hein, la fameuse déesse Chat. Voilà. Quand même, elle a sauvé ça de sa cave. Hein. La déco de la piscine a été transformée, là aussi. Elle est proche de la précédente, mais c'est pas le même déco. La même déco, c'est pas le même effet. Le fameux mur escamotable. Ah là là, ce mur escamotable, première des choses qui m'est intrigué ici. Mais comme je ne maîtrisais pas le sprint lors de ma première partie PlayStation... Ah oui, parlons-en de cette première partie. Hein. Je l'ai déjà dit, mais pour moi, ça a été vraiment la claque. Parce que je n'avais pas joué à d'autres jeux que de ceux de mon Amstrad CPC, qui datait lui de 1985 ou 86. Bref, les jeux auxquels j'avais joué, la 3D existait, mais pas à ce point-là. Enfin, là, je me suis pris une de ces baffes, je vous raconte pas. Donc, quel bonheur, hein. Avant d'aller voir ça, je voudrais quand même vous montrer le reste. La salle de gym qu'on vient de visiter là-bas a été coupée en deux ici, on l'a vu. Hein, la salle de bal à l'origine. Et on trouve maintenant une salle à manger avec, s'il vous plaît, de la musique. Alors là, ce n'est plus le petit menuet qui était joué dans Tomb Raider 2. On voit que donc la pièce a été rajoutée, elle a été incluse dans la salle de bal. Et on peut danser, hein, faire des parties de danse, des soirées génialissimes au son des violons. Que voyons-nous ici ? Une tapisserie, vous voyez donc la déco, elle aussi légèrement changée. Et la cuisine, eh bien, on a revu entièrement le mobilier, Lara. Ah oui, on a tout voulu refaire. Donc ici, on a fait appel à la plus grande équipe de menuisiers de ce pays. Et regardez, tube néon dernier cri qui s'allume lorsque vous rentrez, pas besoin d'appuyer sur le bouton. C'est automatique, on a des placards en veux-tu, en voilà. Cuisine suréquipée, bah c'est un peu comme les... Vous savez, les voitures à la télévision en ce moment, on vous vend des voitures... Qu'est-ce qui se passe ? Des voitures suréquipées. Ça veut dire donc qu'il y a trop de choses dedans, hein ? Donc si vous les achetez, vous risquez de vous viander, voilà. Bah la cuisine suréquipée, c'est un peu la même chose, hein. Vous avez tellement de placards qu'à la fin, vous ne savez pas quoi en faire. Toujours notre chambre froide, comme dans Tomb Raider 2. Sauf qu'ici, elle a été un petit peu revue, avec cet effet de brouillard pour donner l'illusion de froid. Je n'y enfermerai pas Winston, on l'a déjà fait, on l'a déjà même refait plusieurs fois. Bon, pareil, hein, je ne vais pas monter sur le toit du manoir, je sais que certains me l'ont souvent demandé, je l'ai déjà fait sur PC, on ne va pas le refaire, ça ne sert pas à grand chose de toute manière, mais je veux à tout prix revenir dans la salle au trésor, ah oui, parce que ça y est maintenant, on les a les trésors. Hop là, demi-tour Lara, plus vite que ça. Voilà, on appuie sur la touche sauter au dernier moment pour pouvoir franchir la porte qui se referme bien trop tôt. La salle du trésor n'existait pas dans Tomb Raider 2. Cette salle, eh bien on y remarque d'abord ce T-Rex. La tête du T-Rex qu'on a rencontré dans les deux premiers épisodes, souvenez-vous. Voilà, magnifique, tête de T-Rex. Toujours lié au premier épisode, le fameux sillon des Atlantes. Le sillon qui est ici, voilà.
en morceaux heureusement, parce qu'on sait que lorsqu'il est assemblé, il a des pouvoirs immenses. Et Lara l'a conservé détaché ici dans son manoir. Qu'y a-t-il d'autre ? On va aller faire un tour dans l'ambiance de Tomb Raider 2 maintenant, avec la magnifique dague de Xian, qui ici tourne virevolte. Elle a des pouvoirs immenses, on le sait. Le pouvoir du dragon, hein, elle peut donc vous transformer en dragon si vous la plantez dans votre torse, dans votre cœur. Ah, mais toujours Tomb Raider 2, l'extension Golden Mask avec le masque d'or, le fameux que nous avons ramassé très récemment, souvenez-vous, puisque je vous ai présenté ce jeu il y a peu. Et nous arrivons à ce curieux objet, en tout cas pour ceux qui découvraient Tomb Raider 3 comme moi en 1998, on ne savait pas de quoi il s'agissait, et on comprenait que l'équipe qui a œuvré sur Tomb Raider 4 était déjà à l'œuvre bien avant que le Tomb Raider 3 soit terminé. Ce qui explique d'ailleurs la présence de l'Iris ici. L'Iris, vous le savez que... Attention, alors, à spoiler au fait. Ah, spoiler. L'Iris que nous ramassons avec Von Croy, enfin que Von Croy ramasse dans Tomb Raider 4 dans l'introduction, et que Lara vole dans Tomb Raider 5, dans Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, donc, elle le vole à Von Croy, son mentor. Fin du spoiler. Voilà, donc ici, une salle au trésor complète que nous allons quitter. C'est fermé. Pour sortir, on appuie. Et on rappuie. Bah oui, parce que ça ne marche pas très bien. Ah là, par contre, on est désolé Lara, hein, l'équipe d'électriciens n'est pas encore au top. Ça sera mieux la prochaine fois. Bon, on a fait le tour, je crois, de l'intérieur du manoir. Allons voir les extérieurs. Là aussi, on a un petit peu revu le jardin de Lara. D'abord, regardez, lorsqu'elle marche sur un sol de gravier, de boue ou de sable, on a ces traces de pas qui apparaissent uniquement sur PlayStation, pas sur PC, c'est un comble. La faute à qui ? Toujours au même, hein. Vous les giflerez de ma part. Ici, la sculpture n'est plus un poisson. Hop là, je m'y prends mal pour vous la montrer. Voilà, c'est un cheval, du plus bel effet. Et le labyrinthe ? Le chevalier du labyrinthe connaît les secrets du château. La vie est comme un labyrinthe à l'intérieur d'un grand jeu vidéo. Vous connaissez pas ça, moi je connais, c'était une émission télévisée présentée par Georges Belair dans laquelle on mettait des enfants en incrustation sur fond vert, on les mettait à l'intérieur d'un château et il fallait qu'ils ne tombent pas dans des pièges. C'était génial cette émission, franchement. Je regrette qu'on l'ait arrêtée. Hé, hey, cet engin me plaît. Le quad. Pour monter dessus, marche vers le véhicule et appuie sur la touche Action. Ici, on apprend... Oui, on accélère. Ici, on apprend à utiliser le quad, donc c'est très pratique. Ça évitera de se planter littéralement lorsqu'on fera les niveaux en quad. C'est un peu le principe, j'appuie sur accélérer, hein, la touche croix. Ici, ce n'est plus la touche avancée comme dans Tomb Raider 2 avec les véhicules, mais c'est la touche croix qui permet d'avancer, un peu comme dans les jeux de course d'ailleurs, hein, de l'époque. Effet déco là aussi, hein, puisqu'on est dans un lieu fermé, très très réussi. Je conduis pas toujours très bien, hein, je suis désolé. Voilà Lara, bon on peut faire beaucoup mieux, je ne cherche pas à battre des records, hein, c'est pas mon but, je suis pas du tout un speedrunner. Je vous fais remarquer, c'est vrai qu'on me l'avait rappelé lorsque j'ai présenté Tomb Raider 3 sur PC, que cette ouverture vous permet de revenir à pied dans la partie souterraine ici. Donc voilà, adieu le labyrinthe, exit le labyrinthe qui figurait dans Tomb Raider 2. À quoi bon avoir un labyrinthe dans son manoir, dans le jardin de son manoir en tout cas, quand on peut avoir une piste de quad, hein. Voilà à quoi Lara dépense sa fortune, je commence à comprendre maintenant. Bien, courons, oui, courons contre les murs, mais courons aussi pour aller voir derrière. Parce que derrière, on se souvient que dans Tomb Raider 2, il y avait le parcours d'entraînement. Il est toujours là. On a une bonne nouvelle quand même, hein. On a gardé ce parcours d'entraînement qui, même s'il était très mal conçu, hein, donnait des explications après, quand on ne sait pas comment il faut faire. Hein, c'est-à-dire que vous devez vous tromper pour avoir les explications dans Tomb Raider 2. C'est logique. Alors que... Voyons à quelle vitesse tu peux attaquer. On y va ? On y va. Ah oui, alors que les données avant, c'est quand même mieux en général, hein. Non, ça commence très mal. Ça, c'est cette manette
vous le dis, moi, c'est cette manette. Ça ne va pas du tout. J'en ai pas d'autres ? On va prendre celle-là ? Non, je ne sais pas. Bon, on va garder celle-là, quand même, allez. J'arrête de faire le pitre, en avance. Voilà. Et je rate mon saut. C'est la manette. Satané manette. Oui, alors il vaut mieux le réussir celui-là. Parce que chaque fois que vous tombez, vous avez des pénalités. Ici, ça n'est plus l'idée de recommencer le parcours à zéro comme dans Tomb Raider 2. Hein. Ce sont des pénalités infligées si on veut faire un très bon score. Ce qui va pas être mon cas du tout. Eh ben, il faut pas tomber. J'ai pas répété, je vous le jure. Ça se voit. Voilà. Hop là. Pourquoi est-ce que je me viande autant? Je ne sais pas. C'est un peu comme dans la vraie vie. Hein. Quand je vous dis que souvent je me cogne contre les murs, c'est vrai. Hein. Je n'invente rien. Voilà, quand même. Je commençais à avoir honte, là. Ça fait pas du tout joueur de Tomb Raider, là, ce que j'étais en train de faire. Bon. Le parcours, vous le voyez, donc, est sensiblement le même, avec quelques améliorations graphiques, et puis surtout, parfois, des objets qui sont pas aux mêmes distances que dans la première édition, enfin, dans la deuxième édition de Tomb Raider. N'empêche, voilà, c'est quand même réussi. Alors, ici, on peut très bien sauter directement sur ce plot-là, hein, sur ce tas de caisses, mais... Je veux faire les choses dans l'ordre. Là, je n'ai jamais trop su ce qu'il fallait faire. Attendez, je vais essayer ça. Oui, voilà, là c'est mieux. Parce que sinon, on se prend, on se viande contre l'un des rebords là-haut. Et ça fait mal. Mais bon, de temps en temps, j'aime bien lui faire mal à Lara. Il faut que je me contrôle. Je la lâche. Pardon. Et j'avance sous l'eau. Je reprends mes esprits et je vais maintenant grimper là-haut vers la tyrolienne. Toujours là. Alors, on vient de nous montrer l'une des figures nouvelles. Hein. On peut se suspendre, vous l'avez vu. Ah ben là, ça donne pas grand-chose. Le score va être extraordinaire. Hein. On peut donc, je le disais, se suspendre à des grilles, à des plafonds désormais. On peut... aussi ramper, nous l'avons vu dans le niveau d'entraînement, donc là on nous fait aussi ramper, hein, chose qui ne figurait pas évidemment dans Tomb Raider 2, dans ce niveau d'entraînement. Et on a rajouté une autre étape à ce Tomb Raider dans le niveau d'entraînement, on va la voir dans un instant, juste après avoir rampé bien sûr. Je rampe un peu tôt là. Je suis distrait comme garçon, que voulez-vous? Alors, on va ramasser ici des pistolets, vous les voyez. Les fameux pistolets de Lara aux munitions infinies. Et ce qui est amusant, c'est qu'on va pouvoir tirer non seulement sur des cibles, mais aussi sur Winstone, qui va être avec nous. Je n'ai jamais réussi ce parcours sans faute, hein, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est là-bas, Lara. Ben voilà, je me venge sur Winstone. Alors on peut pas le tuer, hein, et heureusement il a revêtu son uniforme de vétéran de je ne sais quelle guerre, mais... Voilà, 40 secondes de pénalité, ça m'apprendra à ne pas savoir tirer correctement. Voilà, donc là il n'est pas mort, hein. Non, non, quand même pas. Il va se redresser, enfin j'espère. J'adore. Voilà, salut sacré Winstone. Donc je le disais, à partir du parcours d'entraînement, on peut grimper sur le toit du manoir, on peut aussi grimper par l'un des bords du manoir, mais ça n'a pas d'intérêt, je l'ai déjà montré. On a fait le tour. On a fait le tour. Voilà le manoir de Lara, donc, qui nous permet vraiment de faire connaissance avec l'aventure, de se rendre compte de ce qu'on va attendre de nous dans le jeu, hein, résoudre des énigmes, grimper, sauter, courir, nager, et que sais-je encore. Et vous avez vu donc une déco revue pour le mieux. C'est la dernière fois que nous verrons ce manoir dans les jeux de Core Design. Il ne figurera plus ensuite en tant que niveau d'entraînement. On le reverra si quand même dans Tomb Raider 5. Un petit peu, mais sans plus. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. La prochaine fois, nous débuterons donc le jeu lui-même, avec pour mission de le réussir, et là je m'adresse à ceux qui m'ont lancé le pari
avec 3 cristaux de sauvegarde maximum. 3, voilà, on voit bien mes doigts, comme ça c'est mieux. 3, ouais, façon passe-partout là dans Fort Boyard. 3 cristaux de sauvegarde maximum par étape et interdiction d'utiliser les trousses de soins. On va s'y coller. Maintenant, je vous dis à très vite. Tout est ok. En avant pour notre troisième aventure. Ah, je reviens vers vous quand même, si, pour vous dire qu'on peut sauvegarder dans le manoir les parcours réalisés avec le cristal de sauvegarde que voilà, hein. C'est possible, voilà. Salut. Bienvenue dans le château du labyrinthe. Ici, vous n'avez rien à craindre. Vous venez chercher le trésor, je suppose. Oui, maître. Un peu molle, cette réponse. Mais vous savez que seuls les cœurs purs et durs peuvent y arriver.